Hey les panneaux, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Et écoutez-moi comme d'hab, je pète la forme, j'espère que vous aussi aujourd'hui les panneaux. C'est l'épisode 6 sur Kingdom Hearts. Et dans le dernier épisode, les panneaux, et bien avec nos chers héros, on avait fini le monde de Tarzan. On avait sauvé tous les gorilles des mains de Clayton. Clayton, qu'on a appris qu'il était, et bien, avec Maléfique et tous les autres méchants de Disney, sans qu'on les connaît pas tous encore. On sait qu'il y a Jafar et Oogie Boogie. Mais en tout cas, on l'a tué et du coup, le monde a été sauvé. Et du coup, on a pu refermer cette porte. Du coup, on a validé deux mondes. Et à la fin, on a su qu'il fallait qu'on retourne voir Léon. Sauf que pour aller à la ville de Traverse, il faut aller dans ce troisième monde. Et du coup, c'est ce qu'on va aller faire. Mais quel est ce monde? Bon, forcément, moi, je le connais, le monde. Mais vous, non. Donc du coup, pour vous, ça va être une surprise. Comment on tire déjà? Oui, on tire comme ça, c'est vrai. J'avais oublié comment on tire. J'ai gagné des blocs rafales. Voilà, tout en douceur. On bouge pas. Voilà, il faut casser ça, faut casser ça. Et merde! Je fais le temps de casser. Allez, est-ce qu'on va arriver dans le monde? Je pense pas. On a encore du chemin à faire. Ah non, je pensais qu'il fallait les casser, mais non. Ah, on peut les casser, ça. Ah, putain. Et voilà. Alors, allez-vous reconnaître ce monde à première vue? Et attention, bienvenue dans le monde du Colisée de l'Olympe, alias Hercule. Et voilà, bienvenue dans le monde d'Hercule. Alors, on va un petit peu fouiller s'il y a des trucs à faire avant de... Avant d'aller... Ah oui, ça, je crois qu'il fallait les éteindre. Toutes. Je crois qu'il fallait toutes les éteindre, je crois, si je m'en rappelle bien. Et je suis pas sûr. Non, pas du tout. Non? Ça marche pas, si je fais ça? Non? Ah bah, j'aurais pas pensé, tu vois. Bon, écoute... Là, il y a un trio blanc. Ah non, on peut pas le faire celui-là. Non, là, il y a un trio bleu. Ça, oui, on peut le faire. Allez! J'ai trouvé les chiots numéro 22, 23 et 24. Donc, ça, c'est bien. Et on va aller dans le hall. Non, ça, on peut pas faire. Ah, regardez, je me rappelle jamais de comment il s'appelle, lui. Ah,
Alors, j'écris le truc, je vais sauvegarder, au moins c'est fait. Tac. Hop, et il est créé. Du coup, je suis niveau 14. Ça pèse une tonne. C'est un peu lourd. Alors, cette épreuve est difficile, tu sais, tu es prêt? Mais bien sûr que je suis prêt, très bien petit, voyons de quoi tu es capable. Les règles sont simples, casse tous les tonneaux dans le temps imparti. Prêt? C'est parti. Ok. Et voilà, pas mal pour un débutant. Les règles sont simples, casse tous les tonneaux dans le temps de partie, bon c'est la même chose. Allez, c'est parti. Et hop là. Ah mince, il me manque un tonneau ici. Ah purée, ah ouais, il y en a autour. J'y crois pas. Tu es plus fort que je ne le croyais. Être un vrai héros, commence par maîtriser ce sort. Essence du tonnerre. Ah, j'ai appris foudre. Désolé, je peux pas encore te laisser participer au tournoi, mais je peux être ton entraîneur. Alors attends. Deux secondes, avant toute chose. Maintenant, j'ai gagné le tonnerre. Ah oui, alors déjà, attends. Là, ça. Et du coup, voilà. Donc là, je garde la primitive pour l'instant. Mais c'est pas ça que je voulais voir. Voilà. Tactique. Du coup, Sora. Ah ouais. Ah ben, je vais prendre la foudre avec. Et on va voir. Oui, je veux. Pourquoi pas?
Ah mais je refais encore les trucs. Ah ouais mais non attends, ça c'est nul. Je refais la même chose. Bah non, moi je veux un truc difficile. Ah mais c'est le même truc encore. Bon bah alors on va sortir, peut-être qu'il y a un truc en dehors du Colisée. Ben voilà, c'était tout simplement ça. Ah, Hades. J'aurais une anecdote sur Hades. Et du coup j'ai un billet d'entrée. Eh hey, ouais tu trouvais ça, on peut partir pour le tournoi maintenant. Bon d'accord, commençons par les éliminatoires. Prêt? Allez, je suis prêt. Colisée de l'Olympe, éliminatoire. Premier match, éclaireur des ténèbres. Ok. Quand je savais pas qu'il laissait concourir des sans-cœurs, mais d'accord, c'est cool. Ça s'affiche sur Donald. Tu n'es pas encore un héros, mais tu t'en sors pas mal. Une chance que tu m'aies pris comme entraîneur. Eh, c'est qui lui? Bonjour. Qui êtes-vous? Un petit doigt me dit qu'il va être dur à battre. Tu l'affronteras peut-être, qui sait? Les sinistres. Donc la caméra se centre à chaque fois sur Donald. D'accord. Peut-être que c'est pour le nombre de d'adversaires battus, je pense. On va voir si j'arrive à en battre plein. Bon là je pense que ça va être moi. Je sais pas pourquoi, il y a mon petit doigt qui me dit que ça va être ça. Ah non, toujours Donald. D'accord, c'est vol. Tu es plus fort que je ne croyais. Dommage qu'il ne soit pas là pour voir ça. Qui? Hercule, le plus grand des héros, est allé rendre visite à son père. Ah, il est allé rendre visite à Zeus. Alors, Donald, on est fatigué? Aïe, mais ils font mal, hein. Eh hey, mais regardez, j'ai tous mes pouvoirs ici. Donc je pense que ça servait à rien en fait de le mettre dans tactique. Parce que je l'ai. Donc en fait ça sert à rien équipement. Vengeance bleue. Oula, oula, oula. Soin vite. Ah voilà, c'est bien ça. Je sais plus dans le combien c'est de Kingdom Hearts. Où quand tu utilisais le soin, tu pouvais plus le réutiliser après, il fallait attendre un petit peu pour le faire. Mais je sais plus dans quel c'est.
Ce sale môme est ton prochain adversaire. Il est avec Hades. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se batte contre... Ah non. Pour l'instant non encore. J'attends de voir quand est-ce qu'on va se combattre contre lui. Oula oula. Mais moi je l'aime bien lui parce qu'il est pas vraiment méchant, il te fait pas mal de suite. Donc tu vois. Moi je l'aime bien. Ouais, sauf quand il est en colère, bien sûr. Mais depuis petit. Mais pourquoi c'est toujours ce sur lui? Il fait rien à chaque fois. Ah, Cloud. Allez, Cloud. Bon, du coup, vous avez tous reconnu, hein. Je l'ai pas dit, mais Cloud. C'est Cloud de Final Fantasy VII. Eh oui, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, on le voit à l'épée en plus. Donc c'est bien lui, c'est bien le Cloud de Final Fantasy VII. Mais de toute façon, dans Kingdom Hearts, vous aurez toujours des rapports avec tous les autres jeux de Square Enix. Il y aura toujours des trucs, par exemple, à un moment, il y a un personnage qu'on retrouve dans Final Fantasy, et bien on le retrouve dans Kingdom Hearts. Il y aura toujours des rapprochements entre Kingdom Hearts et Final Fantasy, parce que c'est presque le même jeu, et c'est les mêmes des développeurs. Après, le même réalisateur, je suis pas sûr, mais en tout cas... Enfin voilà, c'est les mêmes jeux à chaque fois. C'est quoi ça? Par contre, Donald et Dingo, ils me servent à rien. Là je vais affronter seul le Cloud. Et merde. Après bien sûr là il me reste de la magie mais j'attends. Parce que s'il me fait mal au moins je peux me soigner. Parce que je peux pas utiliser les objets. Enfin peut-être parce que je n'ai plus justement d'objets. Donc j'aurais dû peut-être me l'équiper avant. Ouais, j'aurais dû. J'aurais dû m'équiper avant. Allez, Dingo est de retour. Il va m'aider. Ouais, ouais. Donc là, je peux compter que sur moi-même. Là, ça va être ça. Allez. Ah, il a enchaîné là. Ah merde. Allez. Tac. Eh ouais, tu pensais pas à ça mon gars. Allez. Et voilà. Cloud battu.
Dommage pour toi, Cloud. Final Fantasy ne fait rien contre Sora. Face à Sora, pardon. Ouah. Il y a le Cerber. Les accidents, ça peut arriver. Ah, Hercule. Ouf, on a eu chaud. C'était Cerbère, le gardien des enfers. Hercule devrait pouvoir le maîtriser, mais bon, c'est pas sûr, ça s'annonce plutôt mal. J'espère bien qu'Hercule va bien. J'irai jeter un coup d'œil, mais... Tu ne comptes pas entrer dans l'arène tout de même, ça ne plaisante plus là, tu risques ta peau. J'ai pas peur. Moi j'ai peur de rien moi. Tu vas voir comme je suis fort. Par contre, je me suis rien donné, aucune potion. Oh là là. Ah merde, il faut viser la tête. Il faut viser la tête. La tête, la tête, la tête. Vite, 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 vite. Vite la tête, mince. Je me suis fait mordre. Oula, oula. Et merde, et ils font mal hein. Allez, allez, allez! Ah putain! Eh, mais il me bloque! Je sais pas ce qui mord, ce qui ne mord pas, mais ok, il était en train de mordre dans le vide. Oh non, non, oh non, dommage, non, faut toujours recommencer. Dommage, dommage, c'est pas grave. Monter là-dessus, ah c'est bien ça. Je ne savais pas. Et merde. Ah non. Zut. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'était ça que je voulais utiliser. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, là je suis à la moitié de sa vie là. Je sais pas comment j'ai fait, mais tiens, je le suis. Ah putain. Aïe. Vite. Non. Putain, mais il y a des attaques qu'il faisait pas tout à l'heure.
aller. Oh putain. Plus simple là. Pour aller vite. Oui, bon là c'est moi. Ok, mais tout à l'heure c'était pas moi. Putain, ça fait 4 fois que je recommence. Ah, il faut le faire ça quand même. Hop là. Allez. Coucou, c'est moi, je suis de retour. Et je l'ai même pas encore touché là, c'est... Là, voilà. Au moins là, je m'assure la survie. Allez, putain, mais j'arrive pas. Hein. Putain, et là, je me bloque encore dans lui. Voilà, je sais pas du tout ce qui mord, mais bon, là il m'a mordu, ok, mais... Et ouais, la magie, elle revient en tapant. Ça, je m'en rappelais plus. Merci. Allez! Et il veut pas, hein. Allez, allez, allez. Je peux le faire là. Allez. Ah putain, non, je peux pas le faire. Putain. Là, je suis mal là par contre. Hein. Donald, 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 vite, vite Donald, Donald, Donald. Putain, il m'a pas soigné ce con là. Putain, il me soigne pas de Donald. Il se réanime, soigne-moi. Oh là là. Ouais, prudence petit, ouais.
Mais... Quitte à se faire mordre, c'est le meilleur moyen au début pour qu'ils perdent de la vie. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que je me suis pas écarté assez vite. Mais je vais y arriver, hein. Le Cerbère, là, je vais y arriver, hein. J'ai pas peur, en plus. Je suis trop fort. Ils comprennent pas, moi, je suis trop fort. Pas de se mettre là, tu te mets tac sur le côté comme ça et là putain. Merde. Et si je leur envoyais un petit poudre? Et là je les... Et là tu vois, là je les attaque. Ah putain. Merde, 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 merde. Donald, s'il te plaît. Ouais, merci. Il est très gentil, Donald. Putain, je suis encore bloqué. Là, je suis concentré comme jamais. Ah merde. Ah putain. Mais il se pousse pas à chaque fois. Allez. Je pense que 20 minutes après j'ai eu le Cerbère. Souffle de l'enfer. Thus I do
hereby nominate junior heroes and confer upon the full rights and privileges to participate in the game. You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. What does it take? Well, that's just something you'll have to find out for yourselves. Just the way that I did. No problem. We'll start by proving ourselves in games. There ain't gonna be any games for a while. Gotta clean up the mess from that last battle first. Okay, we'll be back. I still can't believe that Squirt actually beat Cerberus. Just between us, I'd already worn Cerberus down by the time the little guy jumped in. My lips are sealed. Et du coup, j'ai gagné la licence de héros. Donc... Je peux pas faire les jeux, c'est ça? Ah, on se voit les tonneaux là. Bon, ben alors on y va. Ah, ben non, faut parler à. Faut aller voir Cloud. Hey, you alright? Yeah. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find light. You'll find it. I'm searching too. Sora a appris Aquilon. Alors oui, on va... Non. Alors qu'est-ce que Aquilon ? On va voir dans les compétences. Alors Aquilon permet d'attaquer un ennemi en le croisant. Possibilité d'enchaîner plusieurs coups. Condition moyenne, distance. D'accord. Donc ouais, bon bah il va falloir que j'attende un petit peu, mais écoute, pourquoi pas. C'est quoi ça? Une grande épreuve va avoir lieu, ne manquez pas. Allez, est-ce que c'est bon? Bonjour. Allons. Bah j'aurais pensé, mais apparemment non, toujours pas. Alors on y va. On viendra plus tard dans les jeux. He's gone. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfectly infuriating! He's crazy! Wait a minute. Be worried about all the pieces are in place. Relax. Whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of him. Who invited you to the party? Stay out. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. Ok, bon bah alors si c'est bon pour tout le monde, eh bah alors on va retourner alors à la ville de Travers chez Léon.
le temps de refaire tout le parcours. Et zut. J'ai déjà perdu pas mal de vie quand même. Mais j'ai récupéré pas mal de vie quand même. Allez, allons dans la ville de Travers chercher Léon, comme c'était prévu au départ. Et du coup, j'ai gagné un trophée qui est pilote novice. Et donc, du coup, me voilà à la ville de Travers. Alors, du coup, j'ai peut-être des lettres à mettre. Voilà, du coup j'ai gagné un pavillon. D'accord. Léon est sûrement dans la grotte souterraine. Il s'entraîne souvent là-bas. Tu sais, dans le canal, la ruelle est liée à la grotte. D'accord, donc il faut aller au deuxième quartier. Hop. Alors allons au deuxième quartier. Hein? Non, il est pas là le deuxième quartier. Excusez-moi parce que. Oui, voilà. Je me disais, il m'emmène pas au deuxième quartier, c'est compliqué quand même. Allez, on va à l'hôtel. On va dans la chambre verte. Ah! J'ai augmenté en HP max. Ça c'est bien ça. Alors, qu'avons-nous par là? Ah ben voilà. Et du coup, nous allons aller dans la grotte secrète. Cet endroit est si mystérieux. Ah, tu nous aides beaucoup, toi. Hein. Chambre du mage. Non mais attends, il voudrait m'emmener à la chambre du mage. Pourquoi il m'emmène pas? Ah ah! Bonjour Merlin! Non, rien. Je vais rien faire. Je vais sauvegarder. Non, je. Je
pensais que Léon était par ici, mais apparemment non. Ah, puisque je suis à la ville de Traverse, il va falloir que je retourne aussi au... Comment ça s'appelle chez les Dalmatiens. Faudra que je trouve un jour... sortie. À part que je les trouve. Enfin, il va falloir que je retourne à la maison plutôt. Mais non, attends. Comment... Non, mais je peux pas descendre là où j'étais. Et elle, là, elle met deux pas. Hein. Parce qu'elle fait rien, elle. Ouais, voilà. Y'a pas d'autre truc. Parce que normalement, bon, je vous le dis, il y a un autre truc ici, mais apparemment, il n'y est pas. Donc, ça sert à rien, je pense, de le faire. S'il y a rien. Bah, écoute, on va sortir, mais du coup... Du coup c'était pas du tout là où il fallait aller, c'était pas du tout dans la grotte du mage. Mais écoute, on y va. Putain, par contre je ne vois absolument rien là, je sais pas du tout où je vais. Je vous avoue que là je ne sais pas du tout où je vais. Donc c'est super hein. Léon, je sais pas du tout où il est, mais en tout cas, Léon, je vais fermer les volets de chez moi pour voir. Parce que Léon, là, j'ai été à temps. Parce que là, je vous avoue que je ne vois absolument rien, là. Je ne sais pas du tout où je vais. Là, je suis contre un mur. Là, il y a autre chose. Je ne vois absolument rien, là, les fanaux. Ah voilà, c'est, je vois de la lumière. Donc voilà, par ici. Allez, je vais y arriver. Allez, super. Allez, on va retourner du coup au deuxième quartier. Ah merde, c'est fermé. Alors on va au deuxième quartier. Ah bah attends, puisque je suis là, je vais directement aller voir les Dalmatiens. Au moins c'est fait. Voilà. Quel est ceci? Un cadeau de Pongo est perdu à un bloc soin X. Un bloc brasier X. Merci beaucoup. C'est gentil. Du coup, on va retourner là où j'étais. J'ai dû passer devant. Hein. Peut-être sans faire exemple. Mais peut-être c'est ça. Peut-être qu'en fait, je suis passé devant Léon et je l'ai pas du tout remarqué. Non, mais c'est possible, hein. C'est possible, comme j'y voyais rien, comme je suis allé vite. Je pense que ça doit être ça. Hein. J'ai dû aller vite et j'ai pas dû m'en rendre compte qu'il était là. On va voir. Un grand secret. Ben c'est ça, voilà, il était là. Je suis passé devant lui. Voilà, je suis ravi. Voilà. Alors tu as trouvé la serrure, oui, la Keyblade l'a verrouillée, bien. Chaque serrure possède une serrure et chaque serrure mène au cœur du monde. Il doit également y en avoir une dans cette ville, comment ça? C'était dans le rapport d'Ansem. Les 100 cœurs entrent par la serrure et modifient le centre du monde. Qu'arrive-t-il au monde? Eh bien, il finit par disparaître. Quoi? C'est pour ça que ta clé est si importante. Tu dois verrouiller les serrures, tu es le seul à pouvoir le faire, vraiment? Tu comprendras mieux en explorant notre monde pigé. On doit trouver tes amis et le roi. Oui, tu as raison, d'accord.
Ok, c'est bien ça. Bah du coup, bah on va ressortir par là, on va ressortir vers Merlin. Ah attends, là il y a un coffre là ici. Bah voilà. On va ressortir par Merlin, au moins si... Il y a peut-être ce que je vous disais, le monde que je cherchais. Est-ce qu'il y est ou pas? Non, toujours pas. Bon, normalement il y a un livre, quelque part. Et qui nous emmène dans le monde de Winnie l'ourson. Sauf que ce livre... Bah, je sais pas où il est. Je suis honnête avec vous, hein. Je ne sais pas du tout où est ce livre. Ouais, il n'y a pas de truc. Parce que normalement, je devrais y avoir accès. Du coup, c'est ça le problème. Je sais pas, on va peut-être qu'en invoquant la bonne fée, je ne sais pas, mais sinon les fans, on va se laisser ici, enfin je vais sortir avant quand même, et voir où on peut aller, mais... Le monde a disparu aussi. Ouais non, ouais, d'accord. Bon ben voilà, ben, c'est gentil. Non mais peut-être que je n'y ai pas encore accès, mais écoute, on verra bien. On verra bien. Bon, moi du coup je vais sortir et ben on va aller direction le prochain monde. Vous en pensez quoi, les fanos? Alors après, comme il disait, peut-être que ce monde a une serrure aussi. Et moi je pense que c'est la serrure qu'il y a là, parce que si vous avez bien remarqué, il y avait une serrure là ici, mais c'est quand même qu'on peut pas encore y aller, donc... Bon, en tout cas, on va aller là, au moins on est tranquille. Allez, eh ben, on va sortir et on va aller voir ce qu'on peut trouver. On va aller à la porte du monde. Bon, Dougie, il veut pas que je revienne à la jungle profonde. Bon, je peux retourner au Colisée. Mais franchement, je suis pas du tout sûr, parce que comme je vous disais, il y a cette logique là qui pour moi... Enfin, pour moi, c'est ça, c'est évident. Pour moi, il faut aller ici. Je ne sais pas, mais vous savez peut-être qu'il faut aller voir. Je crois savoir qu'il faut aller voir. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il veut lui? Bah, avec les petites almotions, il était séparé par pied partout, pauvre bête. D'accord. Faut pas aller ici. Que faut-il? Non, d'accord. Non, non, mais alors là, je vous avoue, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est là vraiment, je suis perdu. Perdu, bon ben les fanos, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les fanos, si vous avez aimé, abonnez-vous. Lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.